accueillons, madame, monsieur téléspectateurs, pour cette très belle émission de remise de prix à ces candidats qui, ma foi, pendant près de 6 mois, ont fait vibrer la télévision, la belle et très grande chaîne Chrétienne Béni TV. Ils sont là avec nous, téléspectateurs. Je vous sais nombreux suivant cette émission. Permettez-moi alors de me retourner vers eux parce que vous voyez, le décor a changé. Tout ce qui est accoutrement, tout ce qui est même gaieté prend forme. Et je salue mes candidats. Comment vas-tu? Ça va bien. Je vous secoue un peu parce que là, ce n'est pas question de jeu. Tu vas bien? Oui, très bien. Allez, lui ici, t'as pas. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Très content. Aujourd'hui, vous souriez là. Je vois des dents un peu partout. Ça démontre qu'on n'est pas dans le concours. Hein. Aujourd'hui, c'est la récompense, c'est la remise de tout ce qui est pris. On sent déjà les cadeaux dans les airs. C'est pourquoi vous souriez. C'est bien cela. Je sens ça. Quand même. Christian, tu vas bien? Ça va. Ah, mais Christian, ton visage a changé vraiment, franchement. La fois passée, je sentais une certaine lourdeur comme ça. On est concentré. Ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Eh bien, je tiens à vous encourager, à vous féliciter parce que vous avez fait très fort. Merci. Mon champion. C'est toi mon champion, là. C'est toi mon champion. Marc, c'est le champion. Zoomez-le bien parce que ce monsieur m'a épaté pendant la finale. Tu étais formidable. Ah bon? Et formidable. Et merci. Tu as épaté également toute la grande direction de Béni TV. Je pense que j'ai une très belle surprise pour toi. Exceptionnel. Téléspectateurs, ce sont les 3 candidats. Je vais les saluer maintenant avec vous parce que je sais que pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, vous voulez bien les découvrir. Alors, je commencerai par le jeune homme, admirable et très, très calme. Wilfried, ça va? Oui, ça va. Wilfried, je t'apprécie grandement. Et je suis sûr que, comme je te l'avais dit lors de la finale, tu es un jeune homme sur qui le Seigneur va beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser et faire des grandes choses. Amen. D'accord? Alors, regarde la caméra et donne-moi un message qui va toucher le cœur d'un téléspectateur qui te regarde, qui désire également être là comme toi pour être un futur candidat, pourquoi pas un champion. Ben, je dirais tout de suite que c'est de la réalité. Voilà, Béni TV est vrai et est concret. Donc, je vous encourage. Je suis venu, je me suis inscrit sans rien payer. Et par la grâce de Dieu, je suis au final. Venez, inscrivez-vous et vous verrez. Aujourd'hui, tu seras récompensé avec des beaux chèques. C'est ça. Que j'espère recevoir la dîme après. Juste pour te taquiner. Christian, comment vas-tu? Ça va bien, Masita. Ça va bien. Ça va. Alors, Christian, toi, c'est la génération future de prophètes. C'est bien cela? Amen, j'ai saisi. Amen, bien sûr, tu seras prophète, c'est sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la génération où nous devons annoncer la bonne nouvelle. Alors dis-moi, la caméra te regarde, là, fixe la caméra et donne un bon message pour permettre à ce que toutes les personnes qui désirent participer à la prochaine saison puissent en faire partie. J'encourage bien tous les téléspectateurs qui veulent participer à la prochaine édition de Carrément Biblique de s'inscrire, de participer. En tout cas, j'ai vraiment aimé l'ambiance, le décor et tout. C'était ma première expérience d'un jeu télévisé. Et j'ai vraiment aimé. Je les encourage. Le candidat et frère Christian Yapo a beaucoup apprécié. Et nous également, on t'a beaucoup apprécié. Merci. On a apprécié Wilfried, on vous a beaucoup apprécié. Mais ensemble, on va retourner notre regard vers le grand champion. Est-ce qu'on peut l'applaudir, nous trois? Le champion Marc, là. Ah lui, mais toi, tu ris beaucoup, j'aime ça. Et il rit beaucoup, mais il est très, très, très craque en matière de la spiritualité. Il fait semblant de rire. Quand tu lui poses la question, il répond juste en même temps. C'est comme ça que tu nous as eu pour être le champion. Félicitations, Marc. Comment vas-tu? Je vais très bien, Masita. Marc, je suis heureux de te voir. Et heureux de savoir que tu as fait de ton mieux pour être à la finale, mais également, tu as été le grand finaliste. Tu regardes cette caméra et dis également un mot, toi, en tant que champion. Nous t'écoutons. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde. Effectivement, c'est sur Béni TV. Je bénis le Seigneur. Amen. À la prochaine édition, je t'invite à t'inscrire. C'est gratuit. Et ça va te former. Ça va encore changer ta manière de méditer. Il y a certaines choses que tu ne prêtais pas attention. Mais grâce au jeu Caïman Biblique, tu prêteras attention. Que le Seigneur te bénisse. On dira amen. Amen. On dira amen. Amen. C'était la prière de l'apôtre. Mon Dieu, c'était formidable. Et j'ai une très belle surprise pour toi, Marc. On s'est rendu dans ton fief. Nous sommes partis dans le domicile de notre très cher frère. C'était la surprise déjà. Nous sommes allés avec la caméra de Béni TV, avec toute l'équipe de production. Nous avons surpris des personnes qui nous ont dit ceci. Message très fort. Nous suivons. Yeah, yeah.
C'est Madame May. Bon, j'ai participé à l'émission Caïman biblique la première fois. Vraiment, au début, on était stressé, mais après, avec l'ambiance, on était comme on était en famille. Bon, il y avait les Caïmantos, les Caïmatines. Ok. Bon, il y avait le plus jeune. Bon, c'est lui, j'ai craigné un peu, mais j'aurais appris qu'il est malade. Il dit, Yako. Bon, en tout cas, l'émission est la bienvenue chez nous à Yopougon. Il dit, Akouaba, et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse la télévision. Et la télévision nous édifie, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la Bible, mais vraiment la richesse, nous avons pu connaître la Bible. La première fois, je suis allée l'accompagner à l'émission Béni TV. Et là, pour les autres fois, je n'étais pas disponible. Et quand il est parti, il a remporté la première demi-finale. De retour sur ce plateau et nous regardons maintenant le compteur. On le constate ensemble. Marc qui affiche 30 points. Daniel, combien de points? Aucun point. Moi, j'aime pas le zéro, je dis aucun point. Et notre très cher Yapo Sydney qui affiche 25 points. Et le gagnant de ce jour? C'est bien Marc, on l'applaudit ensemble. Félicitations à Marc. Là, il m'a envoyé le message. J'étais très contente. J'étais vraiment fière de lui. J'étais dans la joie. Et là, il est venu avec les accolades, tout ça. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il n'était pas le seul. Mais parmi ses frères et sœurs, Dieu l'a touché et il a remporté la première demi-finale. Et ensuite, il a remporté la finale. Dans la finale, là, il ne m'a pas fait signe, il ne m'a pas appelé ni amené de message. Je m'inquiétais, je disais, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et cette fois-ci, il ne m'a même pas fait signe. Et à ma grande surprise, il est venu. Il m'a Marc, je me retourne vers toi. Est-ce qu'on peut le passionner encore, ce grand champion? Marc, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore en Afrique du Sud. Tu es toujours avec moi ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous devons voyager, mais pour voyager, Marc, tu as l'obligation. Je suis fier de toi, félicitations. Je veux que tu puisses me promettre que nous allons passer au compte à rebours. 60 secondes pour 10 questions. Marc, si tu ne réponds pas à une seule question, tu restes avec moi à Abidjan. Et si tu réponds aux 10 questions,
en 60 secondes, je précise, le chrono sera bien élaboré. Tu pars pour l'Afrique du Sud. Amen. Si tu es prêt, tu me dis, je suis prêt. Je suis prêt. Le compteur tourne à partir de maintenant. Première question. Qui fut vendu pour 20 pièces d'argent? Qui fut vendu pour 20 pièces d'argent? Joseph. Joseph, bonne réponse. Citez quatre petites créatures exceptionnelles sages dans la Bible. Citez quatre petites créatures exceptionnellement sages dans la Bible. Daman, fourmi, sauterelle, lézard. Très bonne réponse. Troisième. Quel est le premier homme qui se suicide dans les Écritures? Achitophel. Qui accuse les chrétiens devant Dieu? Satan. Quel roi mit 13 ans à se construire sa propre maison? Salomon. Quelles sont les deux sœurs dont il est dit qu'elles bâtirent la maison d'Israël? Léa et Rachel. De quel homme peut-on lire que Dieu vint contre lui et chercha à le faire mourir? Moïse. Combien de fois l'apôtre Paul fit-il naufrage? 4 fois. Donnez le nom. Les 60 secondes sont imparties. Les 60 secondes sont imparties. Il est venu. J'ai rapporté. Ah, quelle joie! Vraiment, je ne sais même pas comment faire. J'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment, j'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Que la grâce même du Seigneur soit toujours sur lui. Qu'il le bénisse toujours et qu'il puisse continuer dans cet élan. J'ai béni l'émission Caïman Biblique et que l'émission puisse continuer. Que la main du Seigneur soit toujours sur l'émission. Je tenais à remercier Béni TV pour cette émission. Et je voudrais dire merci au Seigneur. Au Seigneur, parce que mon neveu, Nguessan Kwasi Marc, tous, avec les autres, se sont forgés doucement avec le temps dans le Seigneur. À la faveur de la guerre, en 2002, tous étaient à Boaké et ils sont venus à Abidjan. Et avec la situation qui prévalait, j'avais voulu que tout un chacun de la famille se donne au Seigneur. Et j'ai payé une Bible à chaque neveu, à chaque enfant, pour que chacun s'y mette. Et Marc, il s'est démarqué. En tout cas, il a pris une allure parce que, avec toutes les situations vécues, il a trouvé le salut en Seigneur. Pas nous, l'oncle que je suis, et ma femme, et les autres, qui constituons son premier soutien, mais le Seigneur, avec tout ce qui s'est passé. Et c'est pour cela qu'il est resté dans cette allure, dans cette veine. Et aujourd'hui, cela s'est révélé avec l'émission Béni TV. C'est pour cela que nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons Béni TV avec toute l'équipe de production et à leur tête, le pasteur Sam et le pasteur Sylviane. Pour que cette émission se perpétue et que davantage des gens, des enfants aussi soient intéressés à l'œuvre de Dieu. Je me nomme Boussoubou Ambroise. Je suis converti membre de l'église missionnaire pour le salut des âmes. C'est mon ami. Nous nous connaissons, ça fait belle lurette. Je connais la famille. Et il m'a informé un jour, lors de nos causeries, qu'il devrait participer à un jeu biblique qu'on appelait Caïman Biblique sur Béni TV. Bon, on n'a plus parlé de ça. Et lorsque il a été qualifié pour la finale, il m'a envoyé un message pour me dire que, ah frère, je suis qualifié pour la finale. Ah,
Je l'ai envoyé un message pour lui dire merci et que le Seigneur te bénisse. Sincèrement, ça ne me surprend pas de lui, parce que depuis que je le connais, c'est quelqu'un vraiment qui aime Dieu. À chaque fois que nous sommes ensemble, nos causeries tournent autour de Dieu. Et chez moi, quand il va me rendre visite, tous ceux qui habitent le quartier, tous mes voisins, savent, chaque fois que, lorsqu'ils quittent les lieux, on dit « Ah, ton ami là, lui, à chaque fois qu'il vient ici, c'est de Dieu, hein, il parle de Dieu seulement. » En tout cas, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Vraiment, je suis heureux pour lui, heureux, parce que c'est quelqu'un qui est attaché à l'Éternel. Je suis le pasteur Yves Aimel, de la mission évangélique puissance de la résurrection. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous nous accordez, dire un grand merci à Béni TV et aux animateurs, animatrices de l'émission Caïman biblique, qui a offert une opportunité de recherche dans la chose biblique. Je suis un fan de Béni TV. Il m'a été donné de regarder des émissions, mais une d'elles qui m'a beaucoup accroché, c'est Caïman biblique. Et on dit généralement que la victoire a plusieurs pères. Et donc nous sommes venus partager aujourd'hui la victoire de notre neveu. Nous n'avons pas été les concepteurs de cette victoire. Il faut le reconnaître, c'est lui-même qui s'est forgé une force, un attachement avec ses recherches jusqu'à y parvenir. Je peux seulement dire que c'est un enfant qui aime le Seigneur. Il aime beaucoup le Seigneur. Il s'attache aux choses du Seigneur. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Son intérêt pour la chose du Seigneur ne pouvait que l'amener jusque-là. Et je suis vraiment fier. Alors, je profite de l'occasion pour encourager Béni TV et surtout les animateurs de l'émission Caïman biblique pour aller encore de l'avant afin d'amener notre jeunesse qui n'a pas toujours le temps de s'occuper des choses du Seigneur à revenir au Seigneur. Aujourd'hui, c'est Marc. Et quand ses camarades le verront à la télévision, avec tout ce qu'il a pu faire, ça peut toucher un, deux, trois. Et c'est le corps du Christ qui va gagner, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner, c'est la jeunesse qui va gagner. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à nos enfants. Je remercie la chaîne Béni TV. Parce que c'est grâce à Béni TV qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis vu par le monde entier. Parce que Béni TV est une chaîne internationale. Donc je bénis la chaîne Béni TV à la tête, Papa Sam et Maman Sylviane. Que Dieu la bénisse. Et que Dieu bénisse l'émission Caïman biblique. Parce que la première fois que j'ai vu Massieta sortir à la télévision à midi, présenter l'émission Caïman biblique, j'ai hésité. Quand il a donné les contours du jeu, j'ai hésité. Et la deuxième fois, lors de son passage, c'est ainsi que je me suis enregistré. Quand ils m'ont appelé et je suis parti au lancement, quand il a donné les critères du jeu, c'était question qu'on devait donner des questionnaires. Quand on nous a donné des questionnaires, il y a des choses, quand je lisais la Bible, je ne faisais pas attention. Mais grâce au jeu Caïman biblique, aujourd'hui, je peux dire que j'ai été enrichi grâce à ce jeu. Parce que je prends un exemple comme ça. Dans la Bible, quand on demande à quelqu'un quel est le plus court verset de la Bible, tout le monde le connaît. Mais quand on dit quel est le plus long verset de la Bible, chacun commence à gratter sa tête. Mais c'est au cours du jeu Caïman biblique que j'ai découvert le plus long verset de la Bible. Raison pour laquelle je bénis l'émission Caïman biblique. Et après cette finale, j'ai commencé à revoir les années passées, Caïman biblique, depuis 2012 jusqu'à présent. Je vais sur le site internet de Béni TV. J'ai commencé à regarder. Et je continue de prendre note des différentes questions qui sont déjà passées. Donc aujourd'hui, je suis plus qu'en joie. Dieu a honoré et je suis béni. Parce qu'il faut dire que
si je m'attendais à cette journée d'aujourd'hui, je ne m'attendais même pas. Parce qu'il y avait plusieurs candidats. Mais aujourd'hui, si Dieu a voulu que ce soit moi, c'est par une grâce. Parce que la Bible dit que le cheval est bien équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Il y avait plusieurs candidats qui étaient bien équipés, mais le Seigneur avait déjà choisi son candidat dans le secret. Raison pour laquelle je bénis l'Éternel des armées. Merci Caïman Biblique, merci Béni TV. Eyo, Caïman Mo, Eyo, Béni TV Mo. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Il y a de cela 2000 ans qu'il a tout payé. Quiconque croit en lui ne périt jamais. Ce n'est pas philosophie, c'est la vérité. Si tu viens, tu verras de tes yeux. Les 100% de la puissance sont libérés. Tout est là, si tu crois, c'est pour toi. Y'a pas de facture à payer, le salut est là. Oh, venez acheter sans argent. Alléluia, alléluia. De retour donc sur ce plateau, après des interventions comme celle-là, je me dis, Marc, tu as une belle famille. Merci. Tu as une très grande famille qui t'accompagnait. Merci qui beaucoup. Ils t'ont vraiment soutenu. Mm-hmm. C'est que tu étais vraiment bien accompagné. Hein. C'est pourquoi tu venais là avec un calme. J'ai vu le tonton qui disait de bonnes choses. Mm-hmm. Mais félicitations à toi. Merci beaucoup. Félicitations à vous tous. Merci. Alors, téléspectateurs, je vous le disais, l'émission est destinée à remettre des prix. Nous parlons de remise de prix, de présent. Nous allons donc recevoir l'autorité qui vient au nom du PCA, de Béni TV, également au nom de la PDG, surtout au nom du directeur général de Béni TV. Il vient représenter la première autorité pour nous offrir ce beau cadeau. Nous allons le recevoir. C'est le révérend pasteur Licré, le DRH de Béni TV. Il vient maintenant. Le on va se permettre de le recevoir. Bonjour révérend, bonne arrivée. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Hein. Voilà. Révérend, vous venez juste à mes côtés, juste merci, à mes côtés. Merci. La caméra nous fixe en ce moment. Oui. Voici les candidats. Merci. Je sais que vous avez un mot à leur dire oui. avant de pouvoir également donner ces jolis et gros chèques que je suis en train de voir là. Okay. Merci Maceta pour l'opportunité que tu me donnes de dire un mot. Il faut dire que je suis là déjà pour représenter, comme il a si bien dit, le PCA, le pasteur Sam, et la présidente directrice générale de Béni TV, le pasteur Sylviane et le directeur général. Vous connaissez très bien Basile Blé. Je suis donc là pour les représenter, la grande direction générale de Béni TV. Et nous sommes vraiment heureux de participer à ce moment de remise des prix. Je voudrais également dire félicitations à Maceta qui a fait vraiment un beau travail. Donc le mot que j'ai à dire avant de donner les prix, il est le suivant. Vous savez, Apocalypse chapitre 2 verset 7 nous dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin des dieux. » Ça veut dire que la compétition, mais en même temps aussi, il faut braver les obstacles. Et le premier obstacle, il faut dire que c'est d'abord la honte. Le fait que les gens viennent dire des faussetés à la télévision, ce n'est pas donné à tous. Parce qu'il y en a qui ont eu peur. Ils se disent, mais si on me pose une question que je n'arrive pas à répondre, c'est comment ça, est-ce que je peux exactement. Faire. Et je pense que ça a dû éliminer beaucoup de personnes. Plusieurs même. Donc eux, ils ont dû tenir bon. Ils ont bravé vraiment cette honte. Ils sont venus et aujourd'hui, ils sont gagnants. Je dis bien bravo et félicitations merci, au nom merci. De la direction générale. Merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous démarrons donc le premier prix pour le troisième. Wilfried, tu vas recevoir donc ton premier prix, parce qu'il y en a deux aujourd'hui. Très belle surprise. Alors, pasteur, premier prix, c'est quoi le prix? Ok. Alors, le premier prix, comme nous le disons, le PCA, la présidente et le directeur général ont décidé de donner, d'encourager donc ces jeunes-là. Et donc, le troisième, il est le troisième. Donc, il a un bon en espèces, c'est-à-dire un chèque de 100 000 francs. Un chèque de 100 000 francs wow. que déjà il va recevoir. Il reçoit le chèque de 100 000 francs. Voilà. C'est formidable. Il va présenter à la caméra. Il se met là. Voilà, voilà vient comme ça. Oui, il présente à la caméra. Allez-y. Mm-hmm. Waouh, c'est bien ça. Voilà, donc un chèque de 100 000 francs au nom de la direction générale de Béni TV. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore un autre prix. Et ici, il s'agit d'un bon d'achat
sur Bini TV de 250 000 francs. Quand je parle de bon d'achat, c'est un bon de communication dont l'église, dont le frère est issu, va bénéficier pour venir communiquer gratuitement sur Bini TV. C'est le pasteur qui doit recevoir ça. Voilà. Il reçoit un gros cadeau comme ça. Voilà, le pasteur reçoit un gros cadeau. Waouh, tu gagnes pour toi et pour le pasteur. Voilà, donc il a formidable. Gagné pour lui et il a gagné pour son l'église pour également. Son pasteur. Ça, donc, c'est voici, formidable. Voilà, ce bon de 250 000 francs. C'est formidable. Il correspond à une communication de 250 000 francs sur Bini TV. Donc, voici pour le troisième, ce qu'il gagne comme prix. Félicitations. Voilà, félicitations. Voilà. Que Dieu le bénisse et bon courage. Le deuxième, qu'est-ce qu'il reçoit? Et là, je le regarde bien. Yapo Christian, le deuxième. Alors, le deuxième, Yapo Christian, il a également un chèque de 100 000 francs, voilà, que je vais lui le mettre maintenant. Ça, c'est encourage. Félicitations. Voilà, félicitations. Ensuite, il a aussi un bon d'achat sur Bini TV. Je parle de communication, dont profitera son église. Son pasteur viendra ici pour communiquer gratuitement. Pour faire les sports, la télé, les diffusions et tout ça. Ils sont libres de choisir. Voilà, donc à hauteur de 250 000 francs également. Ce bon d'achat. C'est une bénédiction pour l'église. Ça. Donc il peut présenter cela. Et Yapo, félicitations. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Amen. Pasteur, avant de donner le prix du premier, je sais qu'il y a une très grande surprise. Je me retourne vers lui. Marc, la télévision Bini TV te regarde. Et là, par le biais de son représentant qui représente le PCA, le président directeur général, également le directeur général, on a une très belle surprise pour toi. C'est quoi d'abord la première surprise? Révérend Icré, nous vous entendons. La première surprise. Alors, la première surprise, vous avez entendu que les premiers ont eu 100 000 francs en espèces, c'est-à-dire qu'un chèque de 100 000 francs. Mais pour lui, déjà, c'est 300 000 francs de bons d'achat sur Bini TV. Ça, c'est déjà spécial. Voilà. 300 000 francs de bons d'achat sur Bini TV, c'est-à-dire que son église, son pasteur viendra communiquer sur Bini TV pour 300 000 francs. Il peut choisir les plateaux qu'il veut. Ça peut être Matin d'Afrique, ça peut être Midi d'Afrique, ça peut être également un entretien. Wow. En tout cas, une bande déroulant, tout ce qu'il veut, à hauteur de 300 000 francs, son église viendra communiquer. Belle donc, surprise. Déjà, belle surprise. Tu reçois ta surprise et présente devant la caméra, grandement. Waouh, ça se félicite. Marc, félicitations à toi. La deuxième surprise, avant que le révérend Licré puisse nous le dire, téléspectateurs, je vous le dis à vous qui nous suivez, c'est sûrement sur des notes comme celle-là que bientôt l'émission va tirer à sa fin. Je vous encourage à participer à cette émission, car la direction générale de Bini TV tient parole. C'est qu'elle promet, elle l'accomplit, non pas parce que nous sommes seulement une télévision, mais au-delà de cela, parce qu'il y a un ministère, il y a une vision que nous voulons accomplir. Et par le biais de ses serviteurs, le pasteur Oyene Manté et le pasteur Sylviane Manté également, c'est vraiment une part belle que nous donnons à tous ceux qui sont chrétiens et qui veulent être des vrais conquérants dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Croyez en Bini TV, croyez en ses responsables, croyez en Dieu, car tout ce que nous disons, nous réalisons. La surprise de taille, je pense que je vais m'éclipser d'abord. Maintenant, révérend, c'est quoi la surprise? Alors, comme tu l'as si bien dit, c'est une surprise de taille. Les autres, on l'a vu, ont eu 100 000 francs de chèque. Ils ont eu 250 000 francs de bons d'achat. Et le premier a eu 300 000 francs de bons d'achat. Oui. Mais en lieu et place de 100 000 francs de chèque et espèces, ou bien de lui donner 200 000 francs, il bénéficie... Attendez, il bénéficie... Avant de dire ce dont il va bénéficier, j'aimerais bien enlever ce chapeau, parce que je veux profiter de l'occasion pour dire réellement merci à la PDG de Bini TV, Maman Sylviane, que Dieu te bénisse. Dire merci grandement au PCA. Papa Sam, tu es béni au-delà de toute mesure, parce qu'ils ont décidé. Dire merci au DG de Bini TV, à toutes ces autorités qui ont décidé, après avoir regardé le jeu, et qui ont dit c'était formidable, c'était exceptionnel, et l'avantage que nous avons eu, c'est de voir des jeunes gens qui aiment la parole de Dieu. Et on ne pouvait pas seulement donner 200 000, quelque chose de particulier devait avoir lieu. Et c'est ce qu'il va dire maintenant, révérend. Quelque chose de particulier, tu l'as si bien dit, c'est vraiment particulier, et le premier bénéficie, comme je le disais tout à l'heure, d'un voyage sur l'Afrique du Sud. Et précisément à Johannesburg, un billet d'avion, Abidjan, Johannesburg, Abidjan. Ça alors, s'applaudit, je pense, sur ce plateau. Ça s'applaudit. Waouh, c'est dans le cadre de la conférence internationale des ministres avec le pasteur Chris.
le pasteur Chris Oyakilume que vous connaissez très bien. Voilà, donc c'est dans le cadre de cette conférence-là qu'il obtient un billet d'avion qui va le faire donc, je vais le faire envoler pour l'Afrique du Sud. Il va donc aller à Johannesburg et il va revenir. Et, ça, et pendant qu'il reçoit son prix de ce grand billet d'avion, c'est de préciser, téléspectateurs, que le billet d'avion lui donne la possibilité d'atterrir sur le sol sud-africain pour 10 jours. Et Marc, tu vas bénéficier de la grâce, tu vas côtoyer cet homme, tu vas être auprès de ce ministre du Seigneur, le révérend pasteur Christ Oyakhilome PhD Didi SD, et tu vas ressentir l'onction. Mais surtout, retiens ceci, tu pars en Afrique du Sud parce que tu as aimé le Seigneur Jésus-Christ et que tu as maîtrisé sa parole. Le voyage est réel, tu dormiras dans un hôtel spécial, on peut faire des bonus, tu mangeras la nourriture sud-africaine, tu verras les Zoulous et tout cela. Bref, Marc, regarde-moi, félicitations. Merci. Et c'est à Beni TV que tu dois dire merci. Regarde la caméra et qu'est-ce que tu dis? Téléspectateurs, avant qu'ils ne parlent, moi je me dis comme ça, je n'ai plus rien à dire. L'émission se poursuit avec Marc. On a été heureux de savoir que vous avez été nombreux à nous suivre et on espère que vous allez être nombreux pour également participer à ce jeu. Portez-vous bien. Et pour moi, on a été comblés. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, l'émotion est grande. Je n'ai même plus le mot pour pouvoir dire merci. Je remercie le Seigneur. Je remercie la direction Beni TV. Je remercie Papa Sam. Je remercie Maman Sylviane. Je remercie toute l'équipe de production de Beni TV. Je remercie Massieta. Je remercie tout le monde. C'est réel. Effectivement, c'est réel. Ceux qui ont cru que c'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est réel. J'ai un prix. Un voyage sur l'Afrique du Sud. Et c'est réel. Qui aurait cru? Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est grâce au jeu Caïman biblique qu'aujourd'hui, je bénéficie de ce prix. Je dis merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse.